Quelqu'un me disait une fois que vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes heureux. C'est vous qui faites vidéo pour nous dire que allons-y doucement. Quand Dieu vous bénit, c'est là où vous commencez maintenant à montrer aux gens que voici ce que la Guinée doit faire. Sinon, quand tu n'étais rien, tu ne disais rien. Frère, je vais te répondre aujourd'hui. Je ne suis pas encore quelqu'un, mais j'ai vu et je vois ce qui se passe. Donc, je vais essayer de te dire. La preuve, tu vois cette vidéo-là. Je paye mes habits toujours dans les habits de 500. Ce qui est sur moi là, c'est 500 francs. Je n'en vais à personne. J'accroche mon habit où ma main arrive. Je ne peux pas paraître devant vous et puis être ridicule chez moi. Je ne peux pas être toujours bien habillé avec des costumes qui coûtent plus de 1 million et mes enfants ont faim. Je ne peux pas faire ce que les autres font parce que je ne suis pas les autres. Alors, si tu ne veux pas accepter nos conseils et que tu penses que c'est parce que Dieu nous a bénis que nous sommes toujours là, dis-toi que tu te trompes. Dans la vie, c'est ce que tu as vécu ou plutôt ce que tu as vu et que tu essaies de compter pour faire changer certaines personnes. Moi, ma vie, je vis sur l'exemple des autres. C'est-à-dire que j'ai vu que tel monsieur, quand j'étais petit, il a fait comme ça, comme ça, comme ça, ça n'a pas marché. Alors, j'essaie de ne pas aller là-bas. Maintenant, si nous qui avons connu des choses, on vient pour vous dire, n'essaye pas de nous dire qu'on a réussi. Mais dis-toi que les conseils que ce gars-là nous donne là, doivent nous servir de leçon pour devenir des hommes demain. Sur ce, je ne suis même pas encore à l'aise. Ce que Dieu a prévu pour moi n'est pas encore arrivé. Sinon que ce que je sais dans ma vie, c'est que je mange matin, midi et soir. Sinon, je n'ai pas d'argent pour donner aux gens. À chaque fois que je veux faire des dons, ce sont des gestes que je fais. Et des gestes où l'homme sait que ce sont des mini. C'est-à-dire qu'il y a des gestes plus petits. Je ne suis pas là pour dire non, moi j'ai ça. Tu ne vas jamais savoir ce que je fais si tu ne me trouves pas un jour dans le lieu où je travaille. Sur ce qu'il y a sur moi là, ce n'est pas beau, c'est beau. C'est 500 francs. Je m'habille, je suis la femme, 500 francs. Quand ça fait mon appel, moi, quand j'arrive là, je viens, je prends mes habits, 500. Je fais mes vidéos. Parce qu'on ne peut pas prendre ma vie, faire toujours les mêmes vidéos. On est obligé de nous habillés. Imagine un peu, j'ai plus de 2200 vidéos sur internet. S'il doit acheter des habits qui coûtent plus de 5000, imagine un peu ce que ça fait. Donc, mon frère, je veux que tu changes. Je veux que tu puisses savoir comment accrocher tes habits. Toutes les phrases qu'on a, ou plutôt qu'on voit, ont un sens. Accroche ta main. Accroche tes habits ou ta main. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas venir paraître devant vous comme étant star, ou bien comme étant l'homme qui est suivi, comme étant artiste, en tant que je mange une seule fois. J'ai déjà fait cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Si on est ensemble, accroche ta main ou accroche tes habits où ta main arrive. On est ensemble.